On l'appelle le 8e continent ou la soupe de plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la superficie de la France. Il est peuplé de déchets en tout genre produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100. S'il est dérivant, ce continent est emprisonné par les courants. En effet, ces résidus flottants à la surface s'agglutinent dans le gire subtropical du Pacifique Nord, un immense vortex. Ils s'amalgament ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants océaniques qui s'enroulent sous l'effet de la rotation de la Terre entre les côtes d'Hawaï et de l'Amérique du Nord. Quatre autres vortex marins, dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices, polluent nos océans. Peu émergés, mais épaisses par endroits de plusieurs dizaines de mètres, ces plaques de débris terrestres ont des conséquences écologiques parfois insoupçonnées. Confondus avec le plancton, ces détritus en décomposition sont ingérés par les mammifères, tortues et oiseaux, et obstruent leur système digestif. Mais dans le Pacifique Nord, cette masse d'ordures constitue un milieu propice à la reproduction d'une espèce d'araignée d'eau, l'alobate cericeus. Cet insecte, capable de vivre dans un milieu marin, a besoin d'un terrain solide pour pondre ses œufs, et ce lieu lui fournit un incubateur de rêve. Manne inespérée pour les crabes, les poissons et les oiseaux de mer, l'alobate est, elle aussi, un prédateur qui affectionne le zooplancton et les œufs de poissons. En pleine prolifération, cet insecte menace aujourd'hui de déséquilibrer l'ensemble de l'écosystème.